Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 façons de porter la jupe léopard. Celle-ci, c'est une jupe léopard midi en soie qui est absolument canon. On commence avec un look casual pour un petit peu dédramatiser cette jupe qui a quand même un imprimé très fort. Donc ici, je la porte avec une petite paire de Converse et mon t-shirt Paltime, donc de ma marque Paltime. Petit moment auto-promo. Par-dessus, j'ajoute une petite veste en jean, enfin plutôt une grande veste en jean puisqu'elle est très oversized. C'est une Levi's Vintage que j'ai achetée de seconde main et j'adore le côté très décontracté qu'elle apporte à cette tenue. Et pour compléter le look, je prends mon petit sac à dos préféré, c'est le mini Palm Springs de Louis Vuitton que j'adore, que j'ai depuis 2 ans et que je porte en fait très souvent. Donc voilà, un petit look vraiment sympa pour tous les jours, quelque chose d'assez décontracté, parfait pour se promener, pour le brunch, pour un petit café entre copines. Et ensuite on passe au second look, le look de vacances. Pour ce look, je voulais vraiment quelque chose de très simple, de confortable. Vous savez, la tenue qu'on enfile un peu comme ça facilement sans réfléchir. Donc j'ai associé la jupe léopard à une chemise blanche classique, un peu oversized, nouée à la taille, avec une paire d'espadrilles beige et un petit sac panier que je trouve adorable pour le printemps et l'été. Pour ce troisième look, j'ai imaginé une tenue plutôt décontractée et féminine que je pourrais porter par exemple pour aller au bureau. Donc j'ai associé la jupe à une paire de baskets blanches toutes simples et à ce très joli cardigan. Très classique mais vraiment sympa et confortable. Et voilà, appréciez la mise en scène. Apparemment je voulais absolument vous montrer mes lunettes anti-lumière bleues qui sont certes très très pratiques pour l'ordinateur. Et pour compléter le look, ce sac à main qui est idéal pour tous les jours parce qu'il a vraiment le volume parfait pour contenir tout mon bazar du quotidien. Quatrième look, cette fois-ci un petit peu plus glam. Je l'avais imaginé pour une sortie entre filles, pour aller boire des cocktails ou pour aller danser. Donc j'ai dégainé ce petit haut noir que je trouve très joli, très élégant. J'aime beaucoup l'encolure et le dos nu. Je trouve que ça va vraiment très bien avec la jupe léopard. Et une petite paire de sandales à talons blanches à lanière, très discrète. Voilà, vraiment très tendance en ce moment. Et lorsqu'il commence à faire un petit peu plus frais dans la soirée, on sort la petite veste en cuir. Et c'est vraiment un look qui me donne envie de retrouver mes copines et de passer une bonne soirée. Cinquième et dernier look, le look date night, donc que j'avais imaginé pour un restaurant en amoureux, une soirée un peu particulière où on a envie d'être séduisante. Donc j'ai associé la jupe léopard à ce très joli petit haut à manches longues, plutôt près du corps avec un décolleté dans le dos et un col carré, une petite paire de sandales à talons et un petit sac pochette kaki que je trouvais très sympa avec le look, un chignon qui change un peu et des belles boucles d'oreilles. Et le tour est joué. Et voilà, 5 façons de porter la jupe léopard pour le printemps et l'été. Dites-moi dans les commentaires quelle tenue vous avez préférée et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt! Et si vous ne les avez pas déjà vues, je vous laisse ici mes 2 dernières vidéos. Donc c'est mon vlog d'anniversaire et une vidéo maquillage de printemps. Donc je vous conseille vraiment d'aller les voir.